Le Tesseract, c'est une structure architecturale, c'est une machine digitale dans laquelle le public est invité à pénétrer pour découvrir un show de lumière, des rayons lumineux qui forment des volumes dans l'espace. On l'a fait avec un musicien et on a utilisé la musique pour déclencher la lumière, c'est-à-dire que c'est la musique qui va piloter la structure. Grâce à un programme qu'on a développé nous-mêmes au sein de notre studio et qui convertit les impulsions musicales en impulsions lumineuses. Le Tesseract, c'est un spectacle qui est amené à tourner de par le monde. Donc on l'a déjà présenté dans d'autres villes comme Prague ou Eindhoven en Hollande. Mais le Tesseract, c'est surtout l'occasion de confronter à un volume la spécificité d'un lieu. En l'occurrence, ici, la base de sous-marins.